Hello, comme d'habitude, cette vidéo est en direct. Si tu es là, tant mieux. Coucou, si tu n'es pas là, tant pis. Mais t'inquiète pas, elle va rester. J'ai pas encore eu le temps de filmer du coup le visuel que je fais habituellement pour les box. Parce que tant qu'à faire, comme je sais qu'il y en a deux ici, j'ai le temps de faire. J'ai pas besoin d'attendre de le faire avant de les envoyer. Donc elles en sont celles qui ont été précommandées, ont été envoyées hier. Et du coup, comme je disais dans une petite vidéo que je t'ai postée aujourd'hui, exceptionnellement, j'avais envie d'en faire deux en plus pour laisser le choix. Il y a plein de gens qui n'osent pas aller sur les box parce qu'il n'y a pas de visuel, c'est basé sur la confiance. Je vous décris en gros ce qu'il va y avoir, mais vous ne savez pas exactement. Alors, au bout d'un an, beaucoup de gens se sont quand même fait une idée, qu'ils l'aient acheté ou non, hein, puisque je vous fais des visuels après, une fois que c'est fait. Il y a toujours une pierre roulée et toujours un bracelet. Ça, c'est l'essentiel. Il y a toujours, voilà, la base, toujours une pierre, c'est la base de tout. Et ensuite, il y a d'autres produits qui s'ajoutent en fonction de l'idée. Donc là, dans la black box, l'idée, c'était de travailler sur le noir. Donc, il y a du charbon et on a travaillé la réglisse. Alors, c'est un peu ironique parce qu'en plus, je crois qu'à aucun moment dans le livret, je ne parle des bonbons. Je parle vraiment de la réglisse en tant que plante et bienfait, peau, tout ça, digestion et tout. Donc, c'est vrai, même dire, tu pars sur un truc où ta réglisse n'est pas noire. Là, j'en ai juste à côté de moi de la réglisse. La réglisse, alors les racines de la réglisse, ça ressemble à ça, et je dois avoir des bâtons quelque part, mais pas à portée de main. Mais donc voilà, c'est pas noir, mais bon, c'était dans l'idée. Et du coup, en plus de tout ça, on est parti sur la signification du noir. Donc, je profite que j'ai des éléments à côté de moi pour vous montrer ce qu'il y a dans la box en entier, comme ça, là, on pourra pas dire que vous ne l'avez pas vu entre les photos, les images, tout ça. Donc, ça se présente dans un petit pochon noir, bien évidemment, avec un bracelet donc en obsidienne noire, toujours les taille M, mais c'est réglable. Ça, pareil, j'en profite pour montrer à chaque fois, les gens se posent la question, c'est coulissant et c'est très long parce que je ne connais pas la taille de votre poignet. Une fois que vous avez votre bracelet, je vous remontre, il suffit de faire redescendre les petites billes pour pas les perdre, de faire son nœud à la longueur voulue. Je vais pas le tirer fort parce que sinon je ne peux pas le défaire après, mais voilà, si vous voulez que ce soit pas plus long que ça, vous le faites à cette longueur, vous tirez-vous correctement, vous coupez un petit coup de briquet et voilà, on n'en parle plus. Mais comme je ne connais pas la taille de votre poignet, je ne le fais jamais à l'avance, je vous laisse le soin de le faire vous-même. Donc voilà, premier élément, c'était donc le bracelet en obsidienne. Ensuite, nous avons une pierre d'obsidienne. Obsidienne noire, parce qu'il y en a plein d'autres, mais du coup on est sur l'obsidienne noire dans cette box. Et il y a aussi le petit cadeau. Alors ça, pareil, j'ai laissé le même cadeau, mais si après vous n'avez pas les oreilles percées, vous ne portez pas de boucle d'oreille, vous me le dites et on fera autre chose avec ça. Il n'y a pas de souci. Mais donc voilà, une petite paire d'oreilles en obsidienne noire. Et toujours dans la lancée de l'obsidienne, cette fois c'était pas un deuxième bijou que j'ai fait, sans compter le cadeau. Hein. Déjà, voilà, il y a toujours deux pièces en plus. En général, c'est deux bijoux, mais des fois, je vais sur autre chose. Là, cette fois, je suis allée sur une décoration, on va dire, un truc à suspendre. Donc, vous avez cette suspension. Tac. Là, il suffit de... Vous pouvez la mettre à un crochet ou sinon, elle est faite en passant, vous savez. Enfin, je n'ai pas un truc pour vous montrer, mais en fait, en faisant glisser, en la coinçant... Enfin, il y a moyen de l'accrocher, ouais. Et donc, du coup, c'est l'obsidienne gravée. Je sais pas si on va bien bien voir. On voit qu'elle n'est pas lisse, quoi. Là, c'est lisse. Là, c'est pas lisse. Et donc, voilà. Ensuite, donc ça, c'était la partie obsidienne dans la box. Pour la partie réglisse, on est parti sur une petite infusion menthe réglisse. Parce que la réglisse toute seule, j'aurais pu vous la mettre toute seule, mais je trouve ça pas très, très drôle. Je voulais mélanger. Comme ça, voilà, on part sur le goût et la digestion. Mais vous avez à peu près, voilà, 40 grammes d'infusion faite par mes soins. Et pour la partie charbon, je me suis tournée, comme vous avez déjà vu dans une vidéo, je suis Supernova Savon avec ce savon au charbon actif. Donc c'est ma marbonne, c'est ouais, voilà, de l'huile d'olive et de l'huile de soja bio. Donc du coup, voilà, on est sur une production pour le savon et les bijoux genevoise. Après, même ma menthe, elle est d'origine du Jura suisse, donc on reste sur la Suisse. Et il y a que la réglisse, elle vient d'Espagne. Mais voilà, et donc du coup, tout ceci, toutes les explications sur les produits choisis, présentés, sont dans les livrets.
On a un livret assez balèze ce mois-ci, je crois qu'il y a 40, ouais, 40 pages pratiquement, parce que du coup il y a un bon dossier sur la couleur noire, tant qu'à faire la black box, il fallait quand même expliquer pourquoi on était parti sur le noir au départ. Et donc du coup on est parti sur le noir aussi bien sur le côté religion que le côté psychologie, sur le côté art-thérapie, lithothérapie aussi, il y a un passage sur pourquoi les pierres noires en lithothérapie. Enfin, je suis partie aussi bien sur de l'alchimie, on parle un peu de franc-maçonnerie, on parle de beaucoup beaucoup de choses. J'ai essayé d'être le plus vaste possible sur mon livret. Et donc du coup, vous avez bien évidemment donc une partie sur la réglisse, une partie sur le charbon réactif et une partie sur l'obsidienne, c'était quand même la base. Et donc voilà, tout ça réuni dans ce petit livret. Donc messieurs, dames, il y a seulement deux box qui ont été faites en plus. J'espère que ça vous fait plaisir de pouvoir pour une fois le faire, parce qu'on me dit souvent que c'est dommage parce qu'on ne peut pas retrouver après les choses, des box tout seul sur le site. Je ne le fais pas parce que je ne vends pas d'huile essentielle par exemple, je ne vends pas d'herbes toute seule. Enfin si, je vends des thés ou des infusions, mais pas, je suis pas herboriste. Je ne vendrai pas les savons Nova Savon tout seul parce que du coup vous avez les cartes de visite et vous allez pouvoir trouver leurs produits sur leur site. Donc voilà, enfin c'est à la limite retrouver les pierres, les bracelets bien évidemment. Mais voilà, la box en elle-même, si je la repropose, je trouvais ça intelligent de la reproposer en entier. Là, cette fois, du visuel, vous en avez. Et donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que mon four ne faisait pas trop de bruit, que vous m'avez quand même entendu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, des bisous.